Une question qui revient assez régulièrement finalement sur Instagram, de la part de jeunes filles qui ont envie de porter un voile. Parce que la Bible en parle et puis parce qu'elle trouve ça joli tout simplement. Et donc la question c'est, est-ce qu'une chrétienne a le droit de porter un voile? La réponse est oui, évidemment. La Vierge Marie portait un voile. Il y a encore 50 ans, 60 ans en France, les femmes portaient des voiles dans les rues ou des mantilles ou des chapeaux. Et puis vous avez un verset dans saint Paul qui vous en parle, donc vous avez le droit de porter un voile. Maintenant, est-ce que vous devez porter le voile? Non. C'est pas obligatoire non plus, c'est entre les deux. Alors simplement, faites attention à ce que ce soit transparent au niveau de la signification. Vous êtes chrétienne et que si vous portez un voile, c'est bien aussi que ce soit au Christ que vous rendiez témoignage et que les gens ne se méprennent pas sur qui vous êtes, comment vous vivez, etc. Donc que ce soit transparent et puis aussi sur ce que c'est qu'être une femme et être un homme. Donc si vous portez un voile, ça veut dire que c'est pas parce que les femmes sont là et que les hommes sont là, mais que les femmes sont là et les hommes sont là. Dans le christianisme, hein, même dignité, on est au même niveau. Et entre les deux, bah, vous avez le droit de faire plaisir. Vous avez envie de porter un voile, portez un voile.